embête un petit peu. Good. Donc aujourd'hui, ça va être un peu plus intéressant que la dernière fois où on avait fait les select, les insert, etc. C'était un peu moins, moins le fun. Ce qu'on va voir, c'est comment le système MySQL stocke les données à l'intérieur. On va regarder à l'intérieur du système, du file system. On va regarder comment voir la santé des différentes tables. Et après, on va voir comment restaurer les tables. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cracher les tables en éditant avec VI. On va faire des modifications dedans. Donc, l'idée, c'est de simuler un crash normalement de disque dur ou une corruption du file system ou du système de data de MySQL. Et on va voir comment on va pouvoir le récupérer avec un minimum de downtime. Par la suite, c'est sûr que cette solution-là, ça, c'est bon et mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y a des risques de perte de données. On va le voir surtout avec MySAM. Et on va voir aussi le système de backup. Parce qu'on va faire tout aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. Mais c'est le plan de match pour aujourd'hui. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, peut-être sûrement la session prochaine, la question des performances, comment on va pouvoir optimiser un petit peu MySQL pour les différents types de stockage. En rouge, okay. C'est la nouvelle version de Moodle. Là. J'ai peut-être fait une petite erreur dans la première fois qu'on donne la formation. Donc, si on avait vu qu'il y avait plusieurs types d'engins, juste pour faire un rappel quick, les deux qu'on va couvrir ici, c'est MySAM et InnoDB, donc qui sont les deux systèmes de stockage les plus utilisés. Donc, c'est ce qu'on va voir pour comment ils stockent les informations à l'intérieur. De plus en plus, c'est vraiment InnoDB qui prend l'ampleur au niveau des déploiements. MySAM est un peu plus vieux, mais comme j'avais fait mention, MySAM est très performant pour la lecture. C'est quand il y a plus d'écriture qui est un peu plus compliqué. Je vous avais mis aussi le tableau récapitulatif ici, avec les différentes fonctionnalités disponibles avec les différents... juste regarder... avec les différents types de back-end que vous avez. Tout ça, on l'avait vu. Ça fait un peu gros. Excusez. Donc, on va se lancer. Je vais créer deux types de tables, app-article et app-inno-article, et on va voir le comportement. Déjà, en plus, on va encore utiliser les deux containers, donc la 5.5 et la 5.7. Comme toujours, je n'ai pas fait de préparation pour la 5.7, donc ça va être un petit peu du freestyle là-dessus. Parfait. Donc ça, c'est bon. J'aurais dû changer de nom, mais c'est pas grave. Et je vais démarrer la voilà, 5.7 ici. Donc encore une fois, la 5.7, elle est en bas, puis 7. Connecté sur les deux. Je vais juste utiliser l'utilisateur root parce que c'est vraiment pour voir le back-end et non voir la gestion des permissions. Donc, je ne veux pas me casser la tête là. Super. Donc, on voit bien 5.7 ici, 5.5 en haut. Show database. Je ne sais plus si j'en ai déjà une de disponible. Ok, je vais prendre MaDB pour faire l'exemple. DB. Show table. Ok, parfait. Donc je vais créer deux tables. La première app article qui va être avec le système de back-end MySAM. Un coup en bas, lui au moins il a fait un retour de chariot sur la 5.7. Enter. Donc si on regarde. Pif. Donc, c'est les deux mêmes types, peu importe. Là, c'est du type de MySAM. Et je vais créer la même structure de table, mais cette fois-ci, je vais prendre comme engin InnoDB. Comme ça, on va pouvoir voir comment le stockage est réalisé en arrière-plan. Parfait. If. InnoDB. Parfait. Donc, si je regarde.
c'est la même table qui est créée. En fait, ce qu'on va voir, c'est que je vais utiliser un petit script qui va populer ma BD avec les informations de des messages. Que ce soit pour qu'on ait un petit peu de data dedans. Donc, elles sont complètement identiques. Ce que je vais faire, donc c'est ça l'idée, je vais utiliser des messages, juste pour qu'on voit. Je vais juste le mettre à côté. Des messages. Je vais utiliser les informations du kernel donc, et je vais populer ça à l'intérieur de la base de données. Donc, c'est ça que je vais faire juste pour qu'il y ait un petit peu de data. Parce que ce que je veux montrer, c'est l'utilisation de l'espace disque dur. Parce que si je vous montre juste les fichiers de comment il l'a stocké, ben, c'est plus difficile à visualiser le data. Donc, on va juste foutre du data à l'intérieur. Ça va non. Git training, parce que là j'ai pas MySQL. Est-ce que je l'ai là? Yes. Je vais juste faire une copie de mon script. Juste un instant. Gin master. Docker cp. Insert. Tout. MySQL 5.5, je vais le mettre dans TMP, puis je vais le récupérer après. Et 5.7. Okay. Donc je vais juste mettre en arrière-plan le processus de MySQL. Hop. Je vais aller dans TMP. Donc là j'ai bien mon insert qui est présent. Ça va pour tout le monde? Je vais juste vérifier la configuration. Oh putain! Insert, je vais juste le modifier ici. Ah, ouais, là, c'est sûr que c'était pas la bonne. Root, super. Puis là, ma DB, je pense que c'était ça. Hein. Excusez, je vous fais pas confiance. Hein. DB. Ok, parfait. Et comme on voit ici, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir le output de des messages. Il va prendre le timestamp. Moi, là, je fais des cuts, machin. Voilà. Texte, le statut où je fais un random avec shuffle entre 1 et 3. Puis je sors juste un numéro et il va faire les instructions SQL en arrière-plan. Ok, j'espère que ça va marcher. Je vais refaire les copies. CP 5. Ok, cool. Je le remets en arrière-plan. Je regarde mon insert. Je vais juste accélérer, je vois pas. Root, super, DB, machin. Parfait. Cool. Et là, je vais rouler l'insert. C'est bon que ça marche. Ok, cool. On voit 5.7, il est un peu plus wise. Un peu plus long parce que j'ai à peu près 800 lignes qui devraient se rajouter à l'intérieur. Tu ouais, reconnectes à chaque fois? Ouais, je reconnecte à chaque fois. Ouais, c'est... Ouais. L'important, c'était juste d'avoir un petit peu de data qui se met à l'intérieur. Okay. Donc, je vais faire les selects après. Ce qu'on va voir, on va regarder que l'ensemble, on avait vu que l'ensemble des informations est contenu à l'intérieur du répertoire var lib MySQL. Et MySQL, comment il fonctionne, c'est qu'il crée un répertoire par base de données. Donc ça nous permet, au lieu de faire show database, tu peux faire un ls, tu vas pouvoir avoir aussi des BD. Allez, reviens là. Moi j'ai deux erreurs de syntaxe qui me donnaient à chaque fois, mais je m'en suis pas soucié. C'est un peu plus long sur cette machine que sur mon laptop. Comme on va voir à l'intérieur des tables, ce qu'on va avoir, c'est MySAM, il va créer trois fichiers, alors que pour le InnoDB, on va n'en voir qu'un. Là, on parle de la version 5.5. On va voir que la version 5.7, elle aura une petite différence là-dessus. Si on prend donc, je vais commencer par ceux de MySAM qui vont être, qui changent pas entre les versions. J'ai le FRM qui est en fait le FRM, c'est
Cherche l'acronyme là. Mais c'est la définition de la table. Donc, c'est comment la table a été créée, les différents champs. Donc, c'est le framework, là, le frame, je ne sais pas, peu importe. Donc, le schéma, comment il a été structuré, la table. Okay? Et on le voit, on le retrouve tant pour MyESAM que pour InnoDB. Donc, le schéma, il ne change pas. Pour MyESAM, je vais avoir deux autres fichiers. Le MyI qui est pour les index. Et le MyD qui est pour le data. Donc, il va stocker les informations à l'intérieur. Donc, quand on va scraper la table, c'est ce fichier-là que je vais éditer. Donc, le fichier de data. Si on regarde, cool, il a fini. Je vais reprendre ma base de données. Et maintenant, si je fais un select étoile from app article. Okay, donc, j'ai 1077 rows qui ont été rajoutés à l'intérieur, tant pour l'un que pour l'autre. Et je vais avoir exactement la même chose pour le InnoDB. OK. Donc, comme je disais, si je vais dans var lib MySQL, j'ai ma BD et je vais faire un ls dedans. Donc, je vais faire un ls de app étoile. Okay. On voit une différence de comportement. Donc, sur la 5.5, j'ai exactement ce que je disais un peu plus tôt, le MyD, MyE et le FRM. Et pour le InnoDB, j'ai juste le FRM. En 5.7, le comportement, il est différent. J'ai, pour le MyESAM, il n'y a pas de différence. Tandis que dans le cadre du InnoDB, il m'a rajouté un IBD qui est en fait le data de la base de données pour cette table, pour le InnoDB. Le changement, il a été fait parce que sous la version 5, il fait un fichier de tablespace et toutes les tables sont à l'intérieur de ce tablespace. Donc, c'est en fait le fichier, je vais désynchroniser. Dans le cas présent, sous la version 5, tout est dans la ID data, IB data 1, tout est à l'intérieur de ce fichier-là. Si on fait un string, je vais faire un. Parce que pour faire des questions d'optimisation, le système de InnoDB, il crée un tablespace. Et toutes les tables qui sont créées alentour, donc quand je fais un create tables, il le met dans ce tablespace qui est créé à l'intérieur du IB data. Alors que quand il y a une option qui a été différente, si je regarde, moins que c'est le comportement différent que my.cnf. Ok, ils ont changé le config. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un fichier InnoDB par table. Okay, donc, le comportement, il a changé avec les nouvelles versions qui est par défaut. Voilà, je faisais un string justement pour qu'on voit le contenu. Là, j'ai pas installé string, j'aurais dû le faire. Je vais peut-être le faire. Install strings. Ok, bon, il ne l'a pas trouvé. Tant pis. Ici, je l'avais installé sur mon autre laptop où j'ai fait un string. Le string, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste aller chercher les chaînes de caractères qu'il réussit à trouver dans un fichier binaire. Donc, si je fais 4, ce n'est pas visible, mais avec string, je réussis à récupérer l'information. Donc, c'était juste vraiment pour montrer le contenu du fichier. Ok. Donc, ce fichier InnoBData 1 sous la version 5.1 contient tant l'index du InnoDB que le data de toutes les tables. Donc c'est un gros fichier pour toutes les tables InnoDB parce que c'est le principe de tablespace. Le même tablespace qu'on retrouve au niveau de Oracle. Okay. Donc ça c'est l'explication justement du tablespace. Ici, donc là, j'ai fait un DU de IB data 1 et ça m'a donné, je l'avais fait aussi tout à l'heure,
18 MB. Si je regarde sur la version 5, je ne sais même pas si je l'ai. 77 MB, waouh. Je suis étonné de voir autant d'espace utilisé. Je ne sais pas ce qui va contenir ce fichier-là. On va regarder ma DB et je vais faire un DU de app étoile. Je vais faire une... Donc, ça c'est vraiment pas gros. Et si on regarde le data qui a été pris pour MySAM, pour le même, donc les 1077 lignes là, qu'on avait vu un peu plus tôt, on voit qu'il a pris juste 84K. Alors que quand je regarde pour l'espace qui a été pris, on voit 18 MB. Donc on voit que c'est quand même significativement plus élevé l'utilisation d'espace. C'est sûr qu'il n'y a pas que les data qu'on a mis de des messages à l'intérieur. On a aussi toutes les autres tables qui vont se retrouver. Je vais regarder sur la version 5, parce que j'ai aucune idée combien il a pris. App étoile. Donc là on voit il a pris légèrement plus, mais je soupçonne qu'il y a le data et les index à l'intérieur de ce fichier, alors qu'au niveau de MySAM il split les deux, mais on voit que c'est quand même un peu plus gros. Par contre il va contenir beaucoup plus de validation parce qu'il est plus rigide en fait sur la conservation des données InnoDB. Donc 18 MB, là c'était 204 comparativement. En fait, on va regarder, on va utiliser Show Variables pour regarder le InnoDB data file. En fait, c'est là que ça définit où le fichier de TableSpace il est stocké. Okay. Je vais reprendre MySQL. Je vais paster ça. Je ne sais pas comment ça va être. Donc, si on reprend le fichier IBData1, donc le table space qui contient l'ensemble des informations du InnoDB, par défaut, quand il va le créer le fichier, il va le créer à 10 MB. Donc là, flat, même s'il n'y a pas de données à l'intérieur, je start MySQL, il alloue un table space 10 MB. Donc lui, ça lui permet de jouer avec l'espace à l'intérieur sans demander d'augmenter au file system, le XT4, d'agrandir, de gérer. Donc lui, il va gérer son espace à l'intérieur. Et ici, j'ai l'option auto-extend. Donc imaginons que je remplis des données à l'intérieur du table space, ben, il va automatiquement agrandir le fichier. Donc, 10 MB, et on va voir aussi, il y a une autre option qui s'appelle InnoDB Auto Extend Increment. Cette valeur-là, hop, si je fais Enter, si on regarde, ici c'est 8, putain, 64 quoi. Ben, je comprends pourquoi il est si gros alors. Là, ça s'explique. Donc, quand il va faire agrandir, donc si je rajoute des données dans le table space, donc dans une table InnoDB, donc là il arrive, ah, il a rempli le 10 MB. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de rajouter à coup de quelques cas, il va dire, OK, ma prochaine incrémentation, je rajoute 8 MB de plus. Donc, ça évite d'avoir à jouer. Toi, lui, il va gérer lui-même l'espace. Donc, il va augmenter comme ça à coup de 8 MB au lieu de faire des petites demandes au file system. On voit que pour la version 5.7, il augmente à 64 MB. Quoi. Et ce qui explique en fait, donc si on reprend l'ancienne valeur, ah, j'ai une désynchronisation qui s'est faite. Excusez. Si je reprends, on va reprendre les deux. Donc 10 plus 8, ça va faire 18. Puis là, plus. Et hop. Var lib MySQL IB data. Effectivement, on voit bien le 18 MB qui est présent. Donc, il a créé à 10 MB plus le 8 MB parce qu'il a étendu une fois le données. Okay. Puis on le voit 76, donc 12 plus les 64. Bon, tout ça. Et bon, ça concorde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que.
Je vais supprimer des données. Hein, attends. Ah non, là, j'ai... Oh putain, je vais pas faire ça. Là. Ça va être super long, quoi. Ça avait déjà été long sur ma machine. Là. En fait, là, ce que j'avais voulu faire, c'est que j'avais roulé 10 000 fois la commande insert pour justement montrer l'incrémentation qui se faisait à coup de 8. Okay? Donc, that's it, là. On va passer ça. Non, on n'a pas fini. Ce que je vais faire, donc là, l'idée, c'est que je vais supprimer maintenant une table InnoDB, la table que j'ai créée. Okay, donc, on a vu, il avait étendu jusqu'à 18 MB. Je vais supprimer ma table InnoDB. Drop table InnoDB. Donc là, j'ai eu de la suppression de données qui s'est fait. Et ça, c'est un des gros problèmes, surtout avec les anciennes versions. Si je reviens vers Live MySQL IB Data, hein, l'espace est jamais libéré en fait. Je vais juste le refaire en bas sans mon HS. Var lib SQL IB Data. L'espace n'est pas libéré à l'intérieur du tablespace. Okay? Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il agrandit l'espace. Quand je supprime une table, il tag l'espace comme étant disponible pour la prochaine utilisation. C'est pour optimiser le processus. Okay? Ça, c'est pour la version 5.5. Le problème, ce qui se passe, puis il n'y a pas de solution de shrinker. Ça n'existe pas. Okay? La seule manière de shrinker, c'est tu détruis la BD, tu la recrées, puis là, il va refaire ses index, puis il n'aura pas étendu avec les nouvelles valeurs. Donc, si j'ai, par exemple, une BD de 2 gigs, que je supprime 1 gig pour qu'il shrink, la seule chose que je peux faire, je détruis ma BD, puis je réimporte mes data. Okay? Donc, c'est vraiment assez limitatif. Ça, c'est pour la version 5.5, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à créer app. Maintenant, là, je ne sais pas pourquoi ici, le IB Data, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ici, au niveau de la version 5.5, comme maintenant, il crée un fichier de data par table. Donc ici, si vous vous rappelez, je vais juste remonter. Je vais juste agrandir un petit peu. Ok, ici, on voit... J'avais un fichier IB Data qui était présent pour ma table InnoArticle sur la version de MySQL 5.7. Okay? Suite à avoir fait le drop table, le fichier il n'est plus là. Donc maintenant, avec la version 5.7, comme j'ai un fichier InnoDB par table, quand je le drop, je récupère de l'espace disque dur. Ça, c'est pour ça que je voulais avoir les deux versions présentes pour qu'on le voit bien. Ok, des questions? Moi, ça a vraiment été des gros problèmes d'espace disque dur, là. Surtout quand tu ramenais plusieurs BD sur le même serveur SQL, là, de ne pas pouvoir récupérer l'espace, c'était un gros problème. Sur la version 5.5, c'est aussi possible de définir, de dire, ben, créer un fichier au InnoDB par table. Donc l'option, elle est là. C'est juste qu'à partir de la version 5.6, c'est par défaut. Donc, mais vous pouvez le définir et le mettre. C'est sûr qu'il y a un impact parce que avant, l'idée, en fait, c'était j'ai un gros tablespace, puis il gère les index, les relations entre les tables, puis il a juste un fichier à manipuler, donc c'est plus performant plutôt qu'avoir plusieurs file descriptors pour plusieurs tables à gérer. Hein? Donc, logiquement, on voit une baisse. Sauf que ben, de nos jours, ben, les BD, ça bouge beaucoup, tu as beaucoup de data qui rentre, qui sort. Donc, si tu as beaucoup d'écriture, suppression qui se passe, ben, tu n'as pas le choix d'avoir une récupération de l'espace disque dur. Là. Il suffit que tu aies un DDoS ou tu as une montée en charge, mais ben, à un moment donné, tu veux clearer ton espace. Tu n'as pas nécessairement envie de toujours monter un autre BD à côté. Bon, avec les Docker, c'est peut-être un peu plus simple maintenant, mais je veux dire, peu importe, l'issue, il reste là. Hein. Tu n'as pas envie de faire de la gestion hein, comme ça. Donc, vous pourrez trouver justement les avantages et les inconvénients justement du InnoDB par table, donc qui est par la version 5. Donc,
Le gros point, c'est vraiment la récupération de l'espace disque dur. Faire des optimize stable pour compacter, mais ça récupère plus ou moins l'espace, hein, mais bon. Avant, ça compacte pour le fichier, mais quand tu avais un seul gros table space, ben, ça libérait pas l'espace, ça mettait juste les blocs libres. C'est possible de copier une table d'une BD à l'autre en faisant un cold backup. Donc en éteignant la base de données, tu peux juste copier une table plutôt que tout copier, hein, qui était plus ou moins une problématique. Je préfère faire un dump, mais bon, c'est personnel. Donc. Moins de risque d'impact s'il y a une corruption du disque, parce qu'on s'entend que si j'ai un seul fichier puis que mon disque il est corrompu, ce bloc-là il est corrompu, ben, je risque d'avoir un problème. Vous pouvez avoir taille sans. Ouais, quand tu fais un DU sur le fichier, tu peux avoir une information. C'est discutable. Hein, quoi, je vous laisserai lire là. On verra le buffer pool un peu plus tard au niveau de l'optimisation. Juste un petit clin d'œil, le InnoDB supporte plusieurs formats. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi les différences réelles. Avant la version 5.5, c'est le backend, c'est Antelope, puis Barracuda, c'est les nouveaux. Je sais que quand j'ai fait ma migration avec Moodle, lui m'a donné un warning comme quoi je ne supportais pas Barracuda, parce que j'ai mis un 5.5 sur mon SQL. Et il m'a dit, ah, parce qu'il y avait certaines fonctions qui n'étaient pas disponibles avec Antelope comparativement. Puis c'était plus des fonctions. Par ligne, par enregistrement qu'il pouvait faire. Il m'a donné un warning, mais j'ai fait next. Je continue. J'ai pas assez de charge sur le site pour que j'avais pas envie de me gérer un autre container pour avoir 5-7. Hein. Je voulais avoir une seule BD. Je me suis pas cassé la tête. Maintenant que j'ai supprimé mon InnoDB, je vais juste recréer ma table InnoDB parce que c'est ça qu'on va valider la santé dessus. J'aurais dû le faire avant. Ok, je vais juste ça. Ok. Puis là, je vais juste la recréer. Parfait. Juste reprendre dans TMP, insert. Je vais le modifier ici. Ça va être plus simple. Je suis pas nano. Hein. Ça ne me tente pas de faire un sed moi, comme ça. À froid, là. Je suis pas étiré, je suis pas réchauffé. CP, tac. Je vais juste refaire les insertions à l'intérieur de la table app pour que je puisse justement faire la corruption de données à l'intérieur. Donc là j'avais moins d'entrées aussi, j'avais juste 803. Donc là j'ai fait juste un count pour qu'on puisse visualiser le nombre d'entrées à l'intérieur, nous ça devait nous donner un petit peu plus. J'ai les instructions check tables qui me permet de voir la santé. Donc check, statut, OK. Donc s'il y avait une problématique, il va me dire comme quoi elle n'est pas bonne. Ça, je vous conseille, surtout pour les tables critiques, vous pouvez le rouler de manière périodique, là. Éventuellement, le mettre dans votre système de monitoring. Donc, ça peut être intéressant. Il est possible d'utiliser Analyze Tables qui lui va valider en fait tout ce qui est l'indexation. Donc tout ce que tu avais mis l'index, si c'est pas ça n'a pas été mis à jour suite à des updates ou que le load il aurait été haut puis qu'il n'avait pas finalisé. Donc là, il va s'assurer des index qui sont corrects, index et des clés. Donc on le voit ici, il est un peu plus verbeux pour le MyESAM, not I'm already up to date. Lui il va juste se dire c'est OK. Et c'est possible d'utiliser l'instruction checksum. Bon, là, j'ai les mêmes quantités de données. Bon, c'est plus ou moins intéressant. Ça va être plus intéressant quand tu vas te retrouver dans un système de synchronisation, de réplication, de pouvoir faire une validation que tes deux tables sont identiques sur les deux serveurs. Donc, ça, c'est plus là qu'on va l'utiliser. Surtout si tu as une synchronisation asynchrone. Moi, j'ai déjà mis des systèmes où on synchronisait uniquement la nuit certaines tables.
Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait le checksum pour valider, parce qu'on synchronise. C'était pour typo 3 à l'époque. Donc un système de SMS, mais donc, on voulait synchroniser les données que les gens, ils éditaient le site à l'interne, dans le réseau local, et on synchronisait les tables, mais juste du content. Donc ça mettait à jour la nuit les pages. Donc ils n'avaient pas besoin de retaper les changements à l'intérieur du site web de production, mais on ne pouvait pas synchroniser toutes les tables parce qu'il y a les sessions, les caches et tout ça. Donc on faisait juste la synchronisation des tables de contenu et on faisait un checksum dessus. Donc ça nous permettait de faire une validation. Pas qu'on ne faisait pas confiance à MySQL, mais tu sais, t'es jamais trop prudent là. Ok, cool. Donc là il a fini. Donc je vais faire un select. Count from app ino article. Good, parfait. Si je fais la même opération, oh, il y en a un de plus depuis entre les deux exécutions. Ça va jusque là? Ok, cool. Vous avez aussi show statut machin. Donc là, ah ça c'était pas mal cool je trouvais. Je ne vais pas rouler les autres, on les a vus hein, souvent. Pareil pour tout le monde. On va passer à autre chose. Je vais juste. Hop. Remonter un petit peu. Donc, Show Table Status, que je trouvais intéressant, bah déjà, il nous donne lequel engin, la version. Ça nous donne le nombre de lignes. Le data length, il n'est pas réellement réel, si on peut dire. La valeur fitait pas. En tout cas, pour la version 5.5, c'était pas. Même quand je faisais des ajouts, ça concordait pas. Donc, il fallait faire un petit peu attention. Pour MySAM, il y a aucun problème. D'ailleurs, si on regarde, le format de la ligne n'est pas identique. Si on regarde ici le raw format dynamique, on voit qu'il y a une petite différence ici. Ici, c'est écrit compact. Normal, parce que ici, je suis en format antilope, alors qu'en bas, je suis en format barracuda, vu que je suis avec la version 5.7. Le char set qui est utilisé, creation time, donc on voit quand la table a été créée, data free, donc ça, c'est avant le prochain auto-increment qui va se passer. Et ici, j'ai pas ça, le data free à 0, ça me donne pas l'information. J'ai la même. Je pourrais faire aussi la même opération avec article. Paf. Là, la taille, les informations de taille sont valides ici. Le data length, le max length, etc. Là, l'ensemble des informations sont bonnes. Bon, c'est le temps de les cracher là ou... le statut. Non, ok. Non. On va d'abord finaliser. Le show engine status qui nous permet de visualiser. Oh, ça va être plus pour la performance qui va être intéressant. De voir le comportement à l'intérieur. Donc, le free buffer, le buffer pool size. Tout ça, on va le voir un petit peu plus tard pour voir l'optimisation des différentes options. Puis comment le traiter pour pouvoir le. Améliorer notre BD. Vous regarderez la monitoring InnoDB, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait qu'en créant InnoTable Monitoring, on pouvait avoir plus d'informations sur la table. Mais quand j'ai fait le test avec 5.5, je n'ai pas eu un bon résultat. Ça n'a pas fonctionné. Vous pourrez regarder et ça donnait plus d'informations quand sur la doc de MySQL. C'est ça qu'il disait, puis c'était supposé donner plus d'informations sur la table, mais la version 5.5, j'ai pas eu un bon retour dessus. Ça n'a pas fonctionné, même si je redémarrais ma BD. Là. Donc, à voir, je vous laisserai regarder. Réparation de la BD. Ok, cool. Bon, là, on va se lancer là-dessus. On va commencer par MySAM, parce que on va peut-être en faire une à la fois. Hein. De BD plutôt que les cracher ensemble. Alors on va faire une à la fois, je pense. Ok. Là, je suis. Je vais fermer ça. Ok. Donc,
ça c'est la version 5. Je vais vérifier. MySQL. Oups, j'ai décalé sur mes touches. Version 5.7. Ok, c'est ça. Je vais vérifier. 5.5. Ok, cool. Enfin, donc là, je vais juste prendre en note quelques informations. Ah, c'était pas ça que je voulais. Span. Juste pour qu'on le voit. Donc on va regarder, on avait parlé du le nombre de lignes qui était contenu. Parfait. Et on va juste rouler le checksum aussi. Excusez. Ah, je ne l'avais pas roulé, j'avais juste montré, c'est ça. Et puis là, je sais pas par cœur. C'est pour ça que je prépare le cours, pour ne pas avoir à m'en rappeler, et je check ça. Okay. Donc là j'ai l'article, je voulais juste avoir le nombre de lignes puis le checksum, parce que le reste on va voir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller éditer le fichier. Ah putain, j'ai pas Vim. Depuis tout à l'heure, j'ai... Ah, j'ai pas le choix. Puis le réseau va être super lent. Mon idée, c'est que je vais faire des modifications à l'intérieur du fichier. Ça va simuler en fait des problématiques. Et après, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va refaire le check tables qui va nous donner qui va nous informer des erreurs en cours. Et après, on va utiliser la réparation pour restaurer. MySim va nous récupérer les données. Mais on va voir qu'il va faire de son mieux. Donc, c'est pas. Ça vaut pas un backup. Donc, ça ne va pas remplacer. Mais ça peut au moins vous sauver des données critiques quand vous vous rendez compte que votre backup n'a pas roulé depuis 2 semaines parce que vous n'avez pas fait attention et que vous avez filtré vos emails. Hein? Parce qu'il faut les filtrer, mais pas les backups. Allez, MySQL. Donc, je vais faire la modification. Vous avez dit My, machin. Et ça, on va faire les modifications dans les data. C'est bon pour tout le monde? Là, ça, c'est sûr que c'est pas beau. Là. L'idée, c'est pas. Hop. Donc, là, je supprime un petit peu. Peut-être pas tant que ça. Donc, quelques petites modifications à l'intérieur. Ça atténue. 50. Ça va. Petite ligne ici. Ça devrait être correct. 209. Ok. Donc là, je retourne. Si je refais le checksum de la table, donc là, on voit effectivement. Donc ça, c'est post-modification, post-crachage. Le checksum donc n'est plus le même à l'intérieur de la table. Et si je refais un check table, là, select, ah ben là, je peux même refaire le check select count. 1117, ah c'est bon. Là il pense encore avoir le même nombre. Et là je vais faire un check tables. Table, excusez. Là, il va dire, c'est le data file should be, il dit comme quoi il est correct. Ok? Donc, ça, j'imagine que le nombre de lignes, il doit le conserver à l'intérieur de l'index. C'est pour ça qu'il continue à me dire comme quoi c'est bon. Donc, c'est au feeling. Parce que c'est sûr qu'il n'a pas parcouru l'ensemble des lignes. Parfait. On va le faire la même chose à l'intérieur de la 5.7 parce que je suis quand même curieux de voir comment il va se comporter. SQL, masse super BD et hop. Bon, c'est sûr que là ça sera pas tout à fait identique. Cette année, supprimer là, un petit peu ici. Hop. Juste pas que ce soit tout le temps juste des lignes complètes, sinon c'est trop facile. Mm-hmm.
OK. Donc, si je regarde, je refais le checksum. Bah là, j'avais pas. On l'avait pas fait avant. Là, c'est un peu dommage que j'ai fait. Check table, mais. Wow. Wow. Attends, on va juste reprendre alors le checksum. Je vais en créer une nouvelle. Lui, il me dit ça avant la modification. Ok, on va être plus sauvage. App article. Ok, c'est comme tu veux. Ouais, des chiffres, des gens. Ah, tu veux que je rajoute du data, toi? Ouais. Au moins le checksum. T'es pas le bon fichier, ça. Oui, m'a aidé. Les sens sont pas peur des cartes. Puis il faut pas recharger le. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un. Tu vas faire un insert dedans. Moi j'avais raison, il fallait pas que je fasse les deux en même temps. Insert into pack value. On avait dit c'était 10, 77, donc 80, je vais mettre. Faut pas que ça. La clé primaire. Toto, blabla. Texte 1. Et info toto. Ah, il devrait. Avec un apps, 18, check table. Ok, ce qu'on va juste faire. Là, si je fais mon film, à la fin, je devrais avoir. Ah, c'est un cas. Si tu l'avais dit. Bon, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Desk. Sinon, je vais finir avec l'autre, puis on reviendra dessus. Si j'ai pas réussi à le cracher, viens. Select l'étoile from article. Where text like. C'était pas, c'est pas dans le texte, c'est dans l'info. J'avais modifié le can. Voilà. Jobs. Vim. Docker. Get. Et puis après on arrête, hein, parce que. Putain, de souris. Parce que on voit, il l'a mis en cache. Parce que vous avez vu, j'ai fait une modification à l'intérieur de ce qu'il y a dans les crochets. Pardon, la BD. Ok, pendant qu'il redémarre, on va continuer ici parce que lui il se comporte convenablement. Donc là il est corrompu et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Repair Table, si je ne me trompe pas. Avec le temps. Oh, oui, il est possible aussi de rouler si vous faites un script MySQL check pour faire la validation aussi. Donc au lieu d'établir une connexion à l'intérieur du MySQL, il fait la même chose, mais c'est juste un script qui est un wrapper par-dessus.
vous aurez le même comportement. Et avec Repair Table, il va me faire la réparation de la table. Bien entendu, il fait ce qu'il peut. Donc ici, et ce qui est, c'est surtout la fin qui est importante, c'est qu'ici, il va dire, OK, bon, ben, tu avais 1077 rows, ben, mon pote, j'ai juste réussi à ramener ça à 806. Il l'a réparé. Il l'a réparé. Il a fait de son mieux. Mais il vaut mieux ça que rien du tout. OK? Ah, flushé. Problem solved. Ils étaient en trop. Donc, il a réglé la problématique. C'est ça. Donc, ça règle pas ton... Donc là, effectivement, il a raison. Là. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il te le met en warning. Tu sais. Hey, by the way. Moi, j'ai mis ça en erreur, mais bon, c'est une façon de voir les choses. Et le checksum, donc, effectivement, ben, il a changé parce qu'il a réduit mon nombre de lignes. OK? Donc, le backup est important. Ici, on va regarder où il en est rendu, le méchant, qui ne veut même pas cracher quand il commence à le modifier. Donc, use ma db. OK. Là, on va faire le... Ah, cool, merci. Bon. Donc, lui, en fait, pendant qu'il roulait, mais ça, moi, ça jaillit ça. En fait, je préfère que quand je lui dise check table, dis-le moi tout de suite que c'est crashé plutôt qu'attendre de rouler en mémoire. En tout cas. Ça. C'est bon. Mais en fait, ça va être une question d'optimisation. Donc là, même comportement, la taille, hein, elle n'est pas identique. Si je regarde le count. Oups. Ah, il n'arrive même pas à faire le count. Pas bon ça. Si on regarde le count, il était à. Voilà, 1078 quand t'as rajouté. Ah ouais, 1118. Ouais, merci. Donc on va faire un repair table. Ah, c'est pas si mal. Soyons optimistes. Et là, au moins, elle est tout de suite utilisable. Donc, là, il faut dire que là, j'y suis allé avec du VI dedans. Donc, il suffit que j'ai tapé un mauvais code non ASCII, non imprimable. Je n'ai pas modifié des données à l'intérieur. Je suis vraiment allé un peu n'importe où, puis j'ai enlevé des lignes. Donc, on s'entend que c'est juste pour simuler. Mais ça reste que c'est une des situations qui pourrait arriver. Puis ça m'est déjà arrivé dans le passé que c'était le comportement. Là. Bon, ben, on va se garder le meilleur pour la prochaine fois, là, ça a l'air. Donc, next time, on va crasher InnoDB. Et il va falloir faire un petit tour de passe-passe. Est-ce que, comme on va voir avec InnoDB, surtout pour la version 5.5, donc je ne peux pas encore parler pour la version 5.7, vu que c'était le même table space qui était utilisé pour tout, quand tu crashais, quand éditais, ou plutôt quand on va éditer le fichier principal de table space, je vais faire des modifications dedans. Et quand je vais redémarrer MySQL, MySQL, il redémarre juste pas. Il te donne des erreurs. Des erreurs d'exécution. Il te donne le output, un petit peu comme en Java, il fait. Là. Et en fait, il ne veut juste même pas démarrer le MySQL. Il faut que tu lui dises, ben, démarre en recovery mode, puis après, tu réussis. Mais là, on va voir que les tables vont être enlevées dans le lit. On pourra plus faire de modification. Il y a des comportements à prendre en considération. Donc, next time, InnoDB, puis on va le crasher. Donc, ça, c'est les erreurs qu'on va voir pour le InnoDB. Puis, on va voir justement comment faire un backup. Puis, il y a même le petit script de backup qui va bien que je vais vous fournir avec.